Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Bande de malpropres. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Bande de malpropres. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. La société qui m'a fait les travaux était persuadée que j'étais un blaireau. Ils m'ont dit qu'ils faisaient les travaux en 4 mois et ils se sont branlés pendant 9 mois. Quand j'étais absent, certainement en tournée, les ouvriers faisaient venir des prostituées. Y avait le menuisier qui était sérieux quand je pense que j'ai payé ces enfoirés. À l'ouverture, j'ai employé des garçons. Je ne savais pas que j'employais des cochons. Les filles à côté, malpropres, n'étaient pas mieux. Elles s'en foutaient éperdument de la saleté. Le service d'hygiène serait passé. Oh non merci, j'aurais dû fermer la porcherie. Dans mon établissement, j'avais des crevures qui ne pensaient qu'à fumer, baiser et salir. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. La secrétaire venait à toutes les soirées, sortait avec un client indésiré et couchait aussi avec le DJ, envisageait de draguer le cuisinier. Le barman en plein service roulait des pelles à une serveuse dans la cuisine, tandis qu'un deuxième cuisinier picolait. Il buvait les bières et le vin de la réserve. J'ouvre la chambre froide, devinez ce que je vois. Un serveur, une serveuse en train de baiser. Quand j'étais pas là, c'était encore pire. Ces enfoirés, j'ai envie de les maudire. Les clients venaient souvent m'engueuler. La bouffe était dégueu, le service était à chier. Le chef cuisinier aussi était à chier. Les acras, le Colombo était à jeu. Des fois qu'il met sans le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. Après 6 mois d'ouverture, j'ai décidé de me séparer de ces crevures. Mon rêve, j'en ai marre, c'est un cauchemar. Vive la chanson à bas, la restauration, travailler avec des enfoirés qui s'en foutent, qui n'ont aucun respect. J'ai choisi, j'ai préféré fermer pour ne plus voir leur gueule d'enfoiré. Ils m'ont attaqué dans la presse, les médias. Droit de réponse, je réponds à ma façon. Attaque un provocateur, ça le fait pas. Vouloir le détruire, ça ne marche pas. Bande de connards, de merde à la con. N'oubliez jamais que je suis le patron. Ma carrière continue, je vous emmerde. Bande de jaloux, je vous souhaite 30 ans de malheur. Quand tu veux sans le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Bande de malpropres. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Bande de malpropres.